Allô. Allez. On est parti sur MH, bro. On est parti sur le game. Ah, longue journée, longue journée, longue journée, bro. Longue journée. Qu'est-ce qu'il m'a écrit là? Tiens ma session. Oh là là. Je dois rejoindre sa session et tout. Par ID. Oh, je dois. Oh, ça y est. On n'a pas commencé qu'on se fait chier. Mais. Comment c'est quoi la touche pour mettre mage? Ah, ok. Mais je suis pas obligé de faire ça. Je peux rejoindre depuis le fichier des amis, non? Oh. On se fait chier. WTR 7. Une prière écrite par Mikoto. Mais je veux pas rejoindre ça, moi. Moi, je me barre. Je me barre tout de suite. Je me barre tout de suite. Attends, je me barre. Putain, merde. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu saoules comme ça avec tes idées nulles? Vas-y, là. Putain. Je vais tout péter. C'est quoi, je vais jouer dans mon coin aujourd'hui. En plus, j'avais envie de jouer dans mon coin et faire du 1v1 contre la miel et le reste, hein. Allez. Partir. Comment on fait? J'aime pas comment on fait. Legit, je sais pas comment on fait. Legit, je sais pas comment on change de session. Normalement, il y a moyen de faire recherche de session, non? Comment on se bat? Tableau de quête. D'accord. Ah, c'est sûr, il me disait bien. Chercher. Cherche rapide. Ah, c'est très bien. Ah, barrez-vous. Laissez-moi tranquille. Moi, tout ce que je veux, c'est jouer aux jeux vidéo. Hein. Pas besoin. Moi, je veux tomber sur des japonais trop forts. Hein. J'ai pas besoin de... Tu vois. Moi, je veux tomber sur des japonais trop forts et c'est bon. Hein. Ils viennent, ils one-shot mes mobs. Et j'ai pas besoin de jouer. Et moi, ça me suffit, hein. Moi, je veux, voilà, je veux tomber sur des japonais trop forts. That's enough for me, man. Let's go tomber sur des japonais trop forts. Alors, attendez. Je reçois des coupons, on est génial. La dernière fois, ça s'était bien passé contre le Namiel. C'était vraiment gratuit, mais seulement je suis mort deux fois au début. Parce que, ben, je me suis fait surprendre par les nouvelles attaques, quoi. Je connaissais pas le mob. Et j'ai un peu fait de la merde. Mais ensuite, ben, avec toute une vie, j'ai fait tout le fight. Et à la fin, je suis mort à cause d'un imbloquable. Un imbloquable. Du coup, on va simplement y retourner. Hein. On va simplement y retourner. J'adore la musique de ce village. J'ai reçu ma cape temporelle, GG bro. GG. Là, je t'avoue, j'ai envie de faire un peu d'un V1. Du coup, je vais juste un peu un V1 de mon côté. Surtout quand je rentre tard comme ça du sport. Un peu d'un V1, ça va me détendre. Juste me taper contre des mobs. J'aimerais améliorer ma hache. J'ai sauvé les deux. Bah, GG.
Après, t'avais une arme. T'es en mode Master Rank maintenant. Ça doit être assez gratuit. Alors, vice et vertu plus. Est-ce que je peux l'avoir mieux? Ouais, je peux avoir mieux. Hein. Mais qu'est-ce qui est la meilleure arme de feu en fait? Parce que je me dis, c'est peut-être pas mieux ça. Alors, ça, c'est 713, 220. Ici, on a l'Anjana. À 713, 220. Ouais, mais ça, c'est la violence. On a le Glavenus. Qu'on connaît pas, visiblement. Qui a 0 de tranchant. Mais qui a pas le dégât de feu, hein. Et qui a un tranchant violet disponible. L'Anjana, y a pas de tranchant violet disponible. Hein. Et en plus, moins 20. Glavenus, ça va peut-être être le lance de feu. Hein. Et ici, y a bonne affinité, mais peu de dégâts et peu de feu. 744 VS. Enfin, 744 et 300. On va peut-être préférer le Glavenus. Hein. Faudrait que je me farme le Glavenus pour ça. Et du coup, il faut que j'aille d'où? Du dodogo do mama? Quoi? J'ai pas de serre de dodogoma plus? Enfin, un nouveau? Enfin, avant? C'est. Si, hein. J'ai tapé un dodogoma. Ah oui, j'ai une serre et une coque. C'est lui, moi, en haut de deux. Très bien. Glavenus, alors, il me faut que je fasse un Glavenus. Inferno, carapace, Glavenus. Que l'âme Glavenus. Ah, mais j'ai déjà eu. Mande Glavenus, ça se complique. Encore un eau de garon désastre. Casse les couilles, hein. Casse les couilles, hein. On va pas améliorer notre arme, visiblement. Magnus aérien, ça c'était quoi? Un os solidos. Franchement, ça devrait être amélioré, ça. Ça je peux améliorer encore avec des sphères. Quel combien? 4 de défense. Oh, anonide. Quoique. Oh, anonide, je vais sans doute faire une autre armure. Ça c'est quoi? On sait toujours pas ce qu'il faut pour ce truc. Ça veut dire que c'est même pas des mobs que je connais, ça doit être nous. Je vais me rééquiper quand même de mon insectoglaive de feu. Je crois que ça marchait bien, je me rappelle plus si ça marchait bien sur Ah, il est qu'à 600 de dégâts. Mais quand à cause du buff de bouffe, il fait un peu plus. Ouais, c'est pas dingue. Hein. Si je sens vraiment que c'est de la merde, regarde la Rathalos. J'ai regardé la Rathalos. Elle a juste un peu une meilleure affinité, mais bon. Je vais parler au tableau de Katien. Si, moi, une affinité de 0, ça me dérange pas. J'ai farm, j'ai été à l'arc de feu, insane DPS. Oui, les arcs, c'est toujours pété. Hein. C'est des armes pétées. Et en plus des armes assez simples à gérer. Non, ouais, je préfère l'insectoglave. En plus, c'est pas une arme trop pétée, du coup ça demande quand même de donner sa vie. Mais ce qui est bien avec cette arme, c'est que t'as beaucoup de mobilité et ça j'aime beaucoup. Ah, ma caméra qui part en couille. À base. Hein. Watch yourself. Tout ce qu'elle a dit, hein. Watch yourself. Don't forget to watch yourself. Mais il est pas là-haut, ce connard. Pourquoi j'ai spawn quand hein? T'as toujours mes mêmes problèmes, hein. Je spawn au pire camp possible. Yes, il est tout là-haut. Hein. Le combat est stylé. Rien à dire. Renifle seulement. Renifle. Est-ce qu'il va pas descendre? Ah si. J'ai touché. Mmh.
Oh dommage, ça aurait été trop bien. Ça aurait été vachement marrant quand même. Nice, j'ai le dodge. Alors rappelons-nous, son côté droit est gratuit, si je me rappelle bien. Et c'est pas t'avant. Alors on va monter dessus pour l'empêcher de faire son truc. Ce qui est bien en insecto, c'est les dégâts que tu fais en te déplaçant sur un mob. Ce qui fait que des fois c'est mieux que de juste spammer triangle. Et même si des fois tu rates la nuée de coups, tu fais de toute façon beaucoup de dégâts. Merde. Oh mais vas-y Jean, il a pas touché. Mais what the fuck? Oh là là, quand t'es devant, c'est le pire truc. C'est bon, j'ai eu le temps de... Allez, relève-toi là. En plus, il est fatigué. Dommage, j'ai pas de cailloux pour lui tirer dessus. Faudrait que j'en ramasse. Mais what? Mais je suis stun de quoi? À quel moment? Oh là là. Là, je peux même pas l'envoyer contre un mur. Ça part en couille. Je crois que vu que j'ai raté sur un dragon ancien, si je peux pas le refaire direct. Ça doit être ça. Oh là là. Putain mais ce stun.
Aïe. What? Même au-dessus? Je pensais tellement être safe, c'est dommage parce que là je suis mort, je pense. À part s'il se barre. Oh, il se barre. Au-dessus, tu te fais avoir par l'explosion de foudre, ça c'est un peu du bullshit. Hein. Sinon, je suis pas con, je saurais pas ressauter dedans. J'étais déjà safe en plus. Pique-assiette, talent activé, mais what the fuck, j'ai pas pique-assiette moi. Peut-être quand j'ai mangé, ça a activé le talent sur. Sur mon. Grâce à la bouffe. Il est où? Ouais, allez, je remonte avec ça. Juste à côté du camp. Tirin, tirin. Pas ça. Coffre, inventaire. Général shit. Un jour, promis, je checkerai le stuff de mon palico. Qui déjà, il avait même pas un stuff intéressant du jeu de base. Alors j'imagine même pas avec qu'est-ce qu'il a sur ce jeu là quoi. Enfin comment c'est de la merde pour Iceborne, je veux dire. Si c'était même pas intéressant pour World. Mais genre vraiment hein. Vraiment pas intéressant. Mais merde. J'ai juste envie d'aller sur sa tête là. Merde. Peut-être le mauvais moment ça. Là je vais avoir un bon moment je pense. Merde. J'aimerais l'envoyer contre le mur. What the fuck? Il allait contre. Il allait contre le mur mais en même temps il était en l'air. Du coup ça a tellement fait une animation chelou quoi. Aïe. Où est-ce qu'il va? Oh mais tous les cailloux ont disparu. Ah non ils sont là. Comment mes cailloux? Mes cailloux sont là. Feels ok man. Oh.
Re. Could not be there, man. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas fait attaquer, nice. Il est où? Ah, il est re là. Je vais FK vite fait. Il est re là. Let's go. Bah oui, je peux savoir où me déplacer. Ah, il est tout en haut? Ouais, vas-y, putain. On peut pas juste voir l'ennemi. Genre pas trop loin de nous. On puisse jouer. J'ai pas envie de remonter parce qu'il va redescendre. Ça fait longtemps que je suis pas là. Obligé, il va redescendre direct. T'as intérêt à pas redescendre. Hein. T'as intérêt à pas redescendre. Il redescend. Reste ici. C'est bon. Je vais attaquer pour qu'il bouge pas. Fuck you, man. Putain, je l'avais presque pété. Il lui cassait la jambe avant parce que c'est celle que je tape le plus. Voilà. Et voir si je peux l'envoyer contre un mur à nouveau. Non, je peux pas. Visiblement, c'est trop demandé. Mais vas-y putain! Make no fucking sense, man! Nice, j'ai enfin sa tête. On va lui monter dessus, parfait. Ah, je fais pas beaucoup de dégâts là, normalement c'est... ça fait plus hein. What the fuck is going on, man? Ah, mais les dégâts ridicules quoi. Au début du fight je faisais plus hein. Et son pied va déjà mieux quoi. Comment il abuse.
Fuck. Ça va avoir plus hard de flotte mais... Fuck. Fuck. Grattage d'oreille. Désolé, je suis silencieux parce que je pense qu'il me j'aimerais le faire sans mourir. Je me concentre, même si les patterns sont pas de dingue, mais là je vais me faire toucher, voilà. Pour des bêtises. Visiblement dès que je me suis mis à parler. Hein. Oh, je les dodge. Ah non. Que je m'en aille en l'air. En fait, je pensais que c'était son simple dive de base. Le sol était pas encore couvert de flotte pourtant. En tout cas, pas là où j'étais. Mais bon, la flotte est apparue après. Je vais refiler mon inventaire. Coffre, inventaire. Dommage, si j'avais lu que c'était cette attaque, ça aurait été bon. Pardonne pas ce cleave. Mais j'ai pas lu l'attaque, c'est ça le problème. J'ai pas lu, j'avais pas compris qu'il faisait ça. Sinon j'aurais pu essayer de l'éviter. Et là, oui, si j'avais raté, ça n'aurait pas pardonné, en effet. Mais là, j'ai pas essayé de l'éviter. Je pensais que c'était le petit cleave de foudre. Ça avait pas l'air d'être la grosse attaque, hein. Surtout que... D'habitude, quand il l'a fait, c'est genre tu la sens venir, tu vois. Il est tout motivé à la faire et tout. Là, il l'a un peu fait au pif, je trouve. Je me suis pas rendu compte que c'était ça. Oh, s'il te plaît, descends de là-haut, par contre. J'ai vraiment pas envie de remonter. Mais genre, vraiment pas, quoi. Je me rappelle comme aller chercher le Kirin, quoi, le pire truc. Ah, merci. Je vois une popo, là. Laisse-moi tranquille un instant. Ah bon, il m'a au moins laissé boire la popo. Ah, il va me toucher. Ouais, il me donne bien. Moi aussi, je sais pas ce que je fous derrière lui, hein. Enfin devant lui. En fait, j'étais en train de sortir de la zone, c'est normal. Je pensais pas qu'il était là. Bah, c'est à moi que tu sors du couloir, ce serait pas mal. Hein. Bah, si tu veux rester ici, en vrai, que j'en ai à foutre. Reste donc. On se démerdera. Pas pourquoi je suis sur la queue, mais je suis dessus. Hein. Ah, dommage, ça aussi. C'est tellement de la merde. Oh, mais il va me tuer pour rien là. Ouais, je suis mort. À part si. Je sais pas comment il m'a raté, mais il m'a raté. Hein. Bon, je vais essayer de le faire rester ici.
J'ai dedans déguisé ou pas? Yes. J'ai même plus mon buff de dégâts. What? La tête de Damiel, please. Ta tête, allez, allez, allez l'insecte. Oh, il est passé sous sa tête. J'y pépé. Merci. Finally. Ah ok, il est parti. Oh non, me dis pas que tu remontes là-haut. Descends en bas, yes. Merci. Oh, c'est de la bave. Ouais, j'ai déjà plus de méga potions, Noélie. Dommage. C'est quand tu veux pour taper dans la direction du mob, Yann. Là, je vais me gratter l'œil, au secours. Putain, j'ai déjà plus. Eh franchement, faut trop que j'ai des trucs prolongeurs. Hein. Parce que j'en peux plus à chaque fois de mettre mes bazars. Hein. Toujours assez chiant quand même. Est-ce que je peux l'envoyer contre un mur? Enfin, ça marche pas avec les cailloux. Ou alors je peux plus. Merde. Merde. Ouais, je suis mort en fait. Adieu. Ouais.
Attends. Prendre ça, yes. Est-ce que je peux en manger? Non, dommage. Glou, 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 glou. Ah, faut que j'en mange deux pour récupérer ma full bar. Voilà, il m'affiche. Barre d'anto, elle a disparu. Oui, voilà. Talent pique-assiette activé. Mais j'ai pas pique-assiette, ça je comprends pas. J'ai pique-assiette moi. Mais il vient d'où? Il vient de quel item donne pique-assiette? J'ai mis un joyau qui donne pique-assiette moi. Ah oui, c'est mon... En fait, machine de guerre à pique-assiette par défaut. Ah, parce que j'ai looté un joyau attaque et j'avais même pas regardé c'est quoi l'autre. Je pensais que au joyau attaque. D'accord. Mais c'est bien, c'était bizarre. C'est vrai que c'est des dieux... c'est des duals... c'est des joyaux avec deux talents. Ou alors un talent, mais ça donne 2 points dans le talent, quoi. Il est où? Il est toujours en bas. Ouais, il est toujours en bas. Nice. Ce bruit de succion de potion. Slack, slack. Oh, vas-y. Fils de pute. Bon, tant pis. Mais il retourne tout là-haut. Oh, mais casse les couilles, ce perso. Ah, ce fight qui va durer 2 jours. Ah, vous pouvez de nouveau manger. Ah, c'est trop tard, Billy. What? On va miner ce petit truc, tac, tac, tac. Je vais remettre vite fait mon aiguisage.
vas-y. Ouais, quand on voit qu'elle arrive, ça passe. Mais c'est sûr que quand t'es pas au courant, c'est un peu plus compliqué. Après, il va redescendre en fou ce type quand même. Ah non, mais il re-remonte? Je comprends pas. Il y a moyen qu'il descende pour remonter, hein, parce que des fois ça arrive. C'est assez bizarre, mais des fois ils font ça. Du coup, je regrette un peu. Ouais, il est remonté. J'avais complètement oublié ça. Mais en fait, j'avais pas remarqué qu'il était presque mort. Du coup, il remonte pour dormir, ce con. Mais vu qu'il était déjà en haut et qu'il préfère se déplacer pour aller à son nid alors qu'il y est déjà, ben, ce con il part et il revient. Complètement débile, mais bon. C'est vrai que je peux prendre celui-là aussi. Après, c'est vrai qu'il y a l'escaragrappin quand même. Mais c'est moi ou je monte sur le côté là? Putain, mais j'ai même pas tapé les trucs quoi. Bon, je vais le taper. Ouais, bah voilà. C'est dommage que ça l'aurait tué d'un coup. On va first ride aujourd'hui. Avec une arme qui fait zéro dégâts. Hein. Unfortunately. Moustache, égide. Et serre. Mais le pire c'est qu'hier on est mort alors qu'il lui restait 0 PV quoi. Du coup ça va. Comparé au Valazak, on l'a quasi first try. Et le Valazak, on l'a pas arrêté de décéder comme des sacs. Ah, j'ai deux queues. Pas pratique. Ah, gemme dragon ancien. Ah, je pensais que c'était une gemme de ce type de la miel. Mais bon. Maître d'armes pique assiette. Et bah, franchement, pour le maître d'armes, c'est cool. Mais bon. Maître d'armes, c'est bien. Mais si on avait au moins joyau de faiblesse, ce serait mieux. Mais bon. J'ai même pas assez de joyaux berserk. Ni assez de joyaux faiblesse. Ni assez de joyaux attaque. Ni assez de joyaux tireur d'élite. Aucun joyau ni tireur d'élite. J'ai pas grand chose. Hein. J'ai vraiment rien du tout en fait. Up, ah, l'histoire. The results from our investigation into the old Everwork. I'll go first then, shall I? After investigating the locations of the song, we discovered something of a pattern. These are the locations in chronological order.
Pattern? It looks a bit random to me. Just hold on a minute now. Let me add the locations of the seismic actions from first to last. A spiral? It's following the Everstream! Of course. So it's been moving along the trails of energy emanating from the Everstream. Well, just for good measure, how about we tack on that Elder Dragon data that the Fifths collected? Yes, sir. Here's where the Elder Dragons first became active. Mm. Amazing. Looks like our teamwork's paid off. So, what's next? Well, we've discovered a remote island by following the line of the spiral mapped out here. If we also take into account when the Elder Dragons first began to appear, then this must be the location of the old Everworm. Now then, we know little about this island. If we go, we'd need to steel ourselves for what may be the greatest challenge we've ever faced. So, what do you all think? Do you even have to ask? Full steam ahead! Agreed. I know you're concerned, il est de retour. Commander, but we're ready. We've been ready. That settles it then. We'll send the Fifth Fleet, our greatest hope. Chief, we'll need your leadership too. I wouldn't trust these drastic changes to the environment might eventually snowball into something irreversible. Des fois je finis de lire alors que c'est en anglais et je ne skip pas. Do something before that happens. We'll give the Fifth Fleet our full support. Begin preparations for departure. Yes, sir. It's all up to you two now. I'll be sitting this one out, but I still expect to hear all about it when you get back. Fifth Fleet, come to me once you're ready. All right, je suis ready. Let's get to it. Toujours ready. Nice. On se rapproche de la fin, j'ai l'impression. Après, je sais pas. Peut-être qu'on verra. Du coup, il y a une nouvelle zone. Ça, c'est vraiment stylé. Je m'y attendais pas. Enfin, peut-être qu'un peu quand même. Parce qu'une seule zone pour une extension, ça craint un peu quand même. Alors, c'est l'heure d'y aller. Assure-toi d'être fin père avant d'embarquer. C'est l'aboutissement de tout notre travail, de toutes nos recherches. Et pourtant, on ignore encore tout de ce qui nous attend là-bas. Enfin, je suis sûr que je pourrais quand même continuer à jouer, faire des missions libres si je veux. C'est pas vraiment un aller sans retour. Si jamais tu as le moindre doute concernant ton équipement, c'est le moment ou jamais d'y remédier. Ah bon? Cela dit, ces traces de Nergigante que tu as trouvées dans le givre avec l'amiral m'inquiète. On ne sait pas où il est, ni ce qu'il cherche, mais nous devons nous concentrer sur la vivre immortelle pour l'instant. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Oh, j'ai bien envie de finir mon stuff avant peut-être. Let's go. Très bien, on peut embarquer. Partir pour Astera. Oh non. Oh. Oh. J'aimerais améliorer quand même un peu mon équipement. Au moins me faire une arme qui passe bien. Est-ce que... Bon, déjà on peut manger en fait, why not. Let's go. J'aimerais me faire une meilleure arme. Est-ce que je peux améliorer celle-là? Ah ouais, je peux maintenant. Trident chromé. Niveau 3. Est-ce que j'ai loot un 100? C'est que 10 minerais, du coup je pourrais. Ou alors je continue à monter celle-là. Et j'en fais après une Velcana. Faut que des os. Je sais vraiment pas quel insecto il est à faire. Je vais rejoindre des mecs qui font Odogaron et Glavenus Acide. Allez, let's go. Il me faut un peu de leur stuff. Je vais rejoindre des mecs. En fait, je vais farmer un peu. Je vais essayer de trouver des contrats de gens qui font. Qui font les mobs qui m'intéressent. Juste pour en faire pas mal. Je vais essayer de faire des contrats parce que ça a souvent des récompenses or et ça peut aider. Est-ce qu'on peut taguer plusieurs mobs ou pas? Non, on peut pas. On va faire un par un.
Pas de fusée. Clavinus acide, why not? Et plus c'est Clavinus acide qu'il me fallait. Ou alors je peux taguer moi-même le contrat et puis les gens vont rejoindre. Aussi, ouais, j'avoue. Juste check. Y'a pas Clavinus normal? Si, hein, là. Bon, je vais regarder mes propres contrats. Hey! Un jour. Ah, il faut que je fasse un monstre alpha pour ce truc. Je vais faire vite fait un monstre alpha. Ça, c'est fait. Compléter deux contrats. Ben, c'est parfait, je vais faire des contrats. Contrat. Une nation Kiri, Narga. On peut se faire un Narga, un Jana Tigrex. J'ai pas envie de faire ce genre de trucs trop longs. Ça c'est trop de mobs. David Joe Carnage, Odogaron des As, Clavinus, etc. Clavinus, David Joe Carnage, why not? Teostra, why not? Clavinus. Tout supprimer. Je vais faire tout. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, je me suis trompé. Oh, j'ai supprimé tous les contrats que j'avais. Ah non, pas ceux que j'ai sélectionnés. Bon, c'est parfait. J'ai encore ceux qui m'intéressent, c'est bon. J'ai encore des contrats de monstres violets. Je sais plus trop pourquoi. Je me suis trompé, je voulais tout désélectionner, j'ai tout supprimé. Pas grave, des contrats, ça se trouve à l'appel. JJ, en effet, JJ. Oh, un frère de l'insectoglève. Spirale sulfurique. I don't know, man, mais le rejoint, ça m'intéresse.